avec certaines remises de peine et pourquoi pas dans certains cas carrément une amnistie. Je pense qu'un événement aussi important que notre conférence nationale peut avoir au moins la considération d'une élection présidentielle qui habituellement donne lieu à de telles mesures, n'est-ce pas? Nous pourrions l'envisager et je crois qu'il faudra qu'on s'engage à l'envisager. Ceci, je tenais à vous le dire, en espérant que nos compatriotes comprendront notre démarche, qu'ils calmeront le jeu, qu'ils permettront à cette conférence de ne pas être divertie, de conduire ses travaux normalement, travaux qui, une fois encore, vont également concerner les conditions de vie et les conditions dans lesquelles les jugements sont rendus, etc. Un problème national que vous et nous, représentants de la nation ici, aimerions voir examiner. C'était tout ce que j'allais dire à propos de cette situation qui prévaut depuis hier à la prison civile de Niamey. Je voudrais aussi demander, cette fois-ci, à l'ensemble de nos compatriotes qui font fonctionner l'État nigérien, en tout cas qui sont là pour faire fonctionner l'État nigérien, leur lancer un appel en leur demandant de bien vouloir s'atteler à leurs tâches. Nous le savons, depuis 5-6 semaines que nous sommes dans cette salle, en réalité, l'État a cessé de fonctionner convenablement. Vous faites des allées et venues interminables pour avoir une moindre signature. Or, nous savons que c'est la période où des Nigériens se préparent à aller en études, en stage. Il y a quand même des raisons fondamentales qui font que l'État doit continuer à fonctionner. Et nous savons par ailleurs que malheureusement, ceux-là même à qui on a confié la gestion de l'État ne le font pas de façon assidue, de façon consciencieuse. Nous lançons donc un appel à nos compatriotes pour qu'ils s'attellent à faire en sorte que cet État qui est déjà dans une situation difficile ne sombre pas dans un chaos définitif. Ceci est important. Nous vivons une période délicate actuellement où les salaires doivent être faits dans toute la mesure du possible, où des attestations diverses, des documents divers doivent être établis et remis à ceux qui les ont réclamés. Mais au lieu de cela, l'administration se trouve dans une léthargie quasi totale. Il est temps d'arrêter cela. On peut parfaitement être dans son bureau, avec son poste radio, écouter les informations, écouter ce qui se passe ici. Nous le faisions déjà du temps où nous suivions une fois l'an les championnats de lutte. Et pourquoi ne pas le faire maintenant, tout en faisant son travail, en établissant les textes qu'on nous réclame, en établissant les bulletins de salaire et tous les mandats permettant de payer les uns et les autres, n'est-ce pas une façon de joindre l'utile à l'agréable? Voilà, chers compatriotes, ce que je tenais à dire tout simplement, et je vous remercie. Cela étant dit, j'aimerais maintenant ramener le débat à nos préoccupations et demander à Monsieur le Président de la Commission spécialisée de bien vouloir prendre la parole. Je vous remercie. Merci, monsieur. De quoi s'agit-il? Pardon? Un mot en plus? Oui, oui. C'est-à-dire, nous proposons au Présidium de lancer encore un appel à l'endroit de ceux qui sont évadés pour pouvoir justement bénéficier éventuellement des mesures qui seront arrêtées par la Conférence nationale. Parce que s'ils ne sont pas revenus, cela ne pourra pas bénéficier justement de la mesure arrêtée. C'est tout ce que je veux dire. Mais vous l'avez dit, c'est bien dit, c'est la conférence nationale. Et on ne va vraiment pas continuer à jouer à ce jeu. On vous écoute, mais il faut que ça soit assez rapide, s'il vous plaît. L'USTN qui demande la parole. Monsieur, vous ne me l'avez pas demandé, je ne vous avais pas vu. L'USTN, s'il vous plaît. Monsieur le Président, merci. À l'heure où vous nous donnez l'information, où vous nous entretenez donc de la situation, je vous apprends qu'entre midi et 15 heures, d'autres groupes également sont partis.
C'est-à-dire, actuellement, il ne reste pas, en fait, des prisonniers, hein? Il ne reste pas, en fait, grand-chose. Peut-être 100 ou 150 qui restent actuellement. Donc, le problème qu'il y a, c'est de savoir si des dispositions seront prises et s'il y a encore un État. Parce que le problème qui se pose, c'est qu'en réalité, personne ne s'est intéressé à cette affaire. Et les gens continuent à fermer l'œil sur cette affaire. Et les prisonniers continuent à s'évader. Peut-être d'ici demain, il n'y aura plus personne dans la prison. Monsieur Djibo Amani, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je voulais apporter une information concernant l'affaire de Ginte Brennan, disons, et faire une remarque. Et je voulais justement intervenir sur ce qu'on entend à la radio et dans la rue concernant la quasi-disparition de l'État. Alors, si vous permettez bien, je vais commencer par le deuxième point, c'est-à-dire que nous sommes là réunis et l'État est en train de disparaître. Je me demande à quoi nous servons, à quoi sert le gouvernement, si aujourd'hui, dans n'importe quelle prison du pays, des gens peuvent ouvrir les portes et sortir. Il n'y a, ce n'est pas un appel à lancer à la bonne volonté ou à l'esprit patriotique de quelqu'un qui de quelqu'un qui est en prison. Il a la possibilité de s'en aller, surtout si c'est quelqu'un qui a été amené dans des conditions, par exemple, je ne sais pas, un voleur qui vient, on ne va pas lui demander faire appel à son esprit patriotique pour qu'il revienne. Il prend la clé des champs, il prend la clé des champs, il s'en va. Donc, le problème c'est, est-ce que nous avons un gouvernement, oui ou non? Si nous avons un gouvernement, ce gouvernement est responsable devant la conférence nationale et devant le pays. Il doit répondre de la bonne marche des affaires dans le pays. Je suis scandalisé de voir qu'un ministre de l'Intérieur, alors qu'il y a un Premier ministre, que le ministre de l'Intérieur parte voir le président du Présidium pour lui dire qu'il y a des gens qui veulent s'en aller, qu'ils tapent les portes. La première des choses à faire, si c'est un ministre de l'Intérieur, c'est de prendre des dispositions. La deuxième des choses à faire, c'est de voir le Premier ministre et de lui faire part. Et en ce moment, simplement, ils viendront voir le président du Présidium pour l'informer. Ou s'il n'y a pas de gouvernement, alors que les gens s'en aillent et qu'on nomme immédiatement un gouvernement qui prenne la place et la direction des affaires du pays. On ne peut pas. La conférence nationale ne peut pas conduire le pays. Le président ne peut pas diriger le pays. La direction de la conférence est déjà quelque chose de trop lourd. Nous-mêmes qui ne sommes pas du président, nous sommes fatigués, après force raison le président. Alors comment pouvez-vous encore, en plus de cela, conduire les affaires du pays? C'est impossible et je pense que de notre part, en tant que conférence, si nous voulons, si nous disons que nous allons conduire les affaires du pays, ce serait irresponsable. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais dire. Mieux vaut s'en tenir là, après vous parlerez de Ginte Brennan. Après vous parlerez de ça quand nous reviendrons. On vous donnera la parole pour ça. On écoute la NDDH et on revient à nos propos. Oui. Oui, Monsieur le Président, je voudrais seulement préciser par rapport à la fuite des prisonniers. S'il vous plaît, suivez l'orateur. Je voulais seulement préciser que par rapport à la fuite des prisonniers, on sait que l'évasion en elle-même est une infraction et qu'elle est prévue et punie par les articles 197 du Code pénal. Alors je demande à la conférence nationale, dans le but d'encourager peut-être certains détenus à revenir demain, puisque certains sont restés et d'autres ont fui, mais on vient de nous dire que ceux qui sont restés sont partis. Alors j'ai dit que dans le but d'encourager les éventuels volontaires à revenir à la prison, que la conférence nationale prenne une disposition immédiatement pour dire à ceux qui se sont évadés qu'ils ne seront pas poursuivis s'ils revenaient volontairement. Qu'ils ne seraient pas poursuivis en raison de l'évasion. Merci. Si. Allez-y. Vous l'avez. Vous l'avez. Du silence, s'il vous plaît. Écoutons l'orateur. Rapprochez-vous. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président.
J'ai tenu à prendre la parole, Monsieur le Président, pour apporter une information à la conférence par rapport à ce que vous venez de dire. Ces prisonniers de la prison civile de Niamey se sont évadés hier. Nombreux sont ceux qui, dans cette salle, savent certainement que certains quartiers périphériques de la ville ont passé une nuit de calvaire hier, cette nuit. Ces prisonniers ne sont pas évadés pour prendre la tangente, comme on dit en pareil cas. Ils se sont évadés et se conduire en caïd à travers la ville de Niamey, en pillant les tabliers, en pillant ceux qui ont leur étalage dans la rue, en rentrant dans les concessions, en menaçant, en saccageant, en volant. Voilà ce qui a été fait à Niamey par rapport à cette évasion. Maintenant, Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais dire que lorsque nous avons à discuter dans le cadre de notre conférence de certains dossiers brûlants de la nation, il serait bon, à mon sens, que nous prenions des mesures, que nous mettons des garde-fous. C'est-à-dire que nous savons que ceux qui nous ont précédés dans cette affaire de conférence ont également eu les mêmes dossiers que nous sommes en train de discuter en direct, aussi bien sur les antennes qu'à travers la télévision, mais qu'ils ont pris soin de les mettre de côté et de les confier à une commission. Et nous n'avons jamais su, en tout cas à travers les ondes, ce qu'ils se sont dit pour ce qui concerne ces dossiers. Pour être concret, aussi bien l'affaire de la drogue que l'affaire de Kinta Baradène, qu'une autre affaire similaire, Monsieur le Président, si nous avons à les discuter entre Nigériens parce que nous sommes tous concernés à travers la nation, nous devons les discuter, Monsieur le Président, à huis clos. À huis clos. À huis clos. S'il vous plaît, n'insistons pas. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Si j'avais insisté, ce n'est pas pour perdre le temps à la conférence. C'est simplement pour apporter une petite précision, enfin faire une petite demande. Comme l'a dit tout à l'heure le conférencier, il y a eu effectivement de l'insécurité dans certains quartiers périphériques de la ville. Aussi, je me permettrai de faire une suggestion à la conférence. Vous savez qu'en 1974, plusieurs armes ont été retirées aux propriétaires. Est-ce que pour des mesures de dissuasion, la conférence ne peut pas proposer que certaines armes sur l'enquête de moralité soient remises aux propriétaires? Ça dissuaderait beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci. Merci. On verra. Nous retenons. Il n'y a pas de parole. En temps opportun, non, nous revenons à notre débat, c'est terminé. En temps opportun, je donnerai la parole aux responsables de la sécurité, en particulier à Monsieur le ministre de l'Intérieur et au préfet maire de Niamey, pour qu'ils s'adressent à vous. Je leur donnerai la parole. Contrairement à ce qu'on peut croire, un certain nombre de choses ont été tentées dès hier soir. Ne passionnons pas le débat, ils vous en parleront eux-mêmes, je vous en prie. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Bon, nous allons continuer. On va écouter Monsieur le lieutenant Namata, s'il vous plaît. Monsieur le Président, messieurs les conférenciers, je suis le lieutenant Namata Samnabube,
Je suis né le 19 janvier 1962 à Dakar, au Sénégal. Je suis actuellement officier instructeur au groupement d'instruction de Tondivia. Concernant l'affaire de Tilia, au moment des événements, j'étais le chef du poste militaire de reconnaissance de Tilia. Le capitaine Maliki, vous avez dit toute la vérité ce matin. Vérité que je vais préciser aussi. Effectivement, j'ai reçu des instructions de mon commandant de compagnie, en l'occurrence le capitaine Maliki Bourema, ici présent dans cette salle. C'est ainsi que, le 6 mai 90, la veille donc de l'attaque de Tintabaraden, le capitaine Maliki m'a saisi au BLU, donc la radio militaire, oralement, ce qui se fait lorsqu'on est en campagne. Il m'a donné la mission d'intercepter un commando venant de Tintabaraden qui avait pour l'intention d'attaquer Tilia, donc de les intercepter, de les capturer et de les détruire avec tout ce que ça sous-entend. C'est des termes militaires. Mission qui a été donc accomplie aux environs de 17 heures. Le lendemain, le capitaine Maliki m'a ressaisi par radio militaire, BLU, vers 23 heures, m'ordonnant d'exécuter 13 des assaillants avant minuit. J'ai d'abord hésité, comme il l'a dit lui-même ce matin, pour demander confirmation. Il m'a reprécisé le même ordre, exécution avant minuit, ce qui fut fait avant l'heure indiquée. Le 8 au matin, le capitaine Maliki m'a ressaisi au BLU pour me dire d'exécuter les 7 autres avant 7 heures du matin. Là, je n'ai pas hésité, je suis un militaire, je suis subordonné et j'applique les consignes données à la lettre, conformément à notre règlement militaire, l'article 1 qui dit ceci. La discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance en tous les instants, que les ordres soit exécuté littéralement, sans hésitation ni murmure. L'autorité qui les donne en est responsable et la réclamation n'est permise au subordonné que lorsqu'il a obéi. Je n'ai fait qu'appliquer cet article. Voilà, Monsieur le Président, ce que je sais de cette affaire de Tilia en ce qui me concerne. Bien, quelques questions de précision. Pour les personnes que vous avez capturées le 6, l'ordre vous a été donné d'intercepter ces véhicules
et de détruire ses occupants. Le véhicule se trouvait 17 personnes, mais vous n'avez exécuté que 13, les 4 étant libérés. Votre commandant d'unité vous a donné l'ordre de les exécuter tous, il vient de nous a dit ce matin. Pourquoi ou de qui détenez-vous l'ordre de libérer les 4? Les 4 personnes qui ont été libérées, c'était le chauffeur, le propriétaire du véhicule et deux mécaniciens. Parce qu'on a trouvé sur eux la liste de la composition du commando de 20 personnes. On s'est donc intéressé uniquement à ces 20 personnes. Oui, on dit de qui il semblerait que les 4 ont été libérés. Est-ce votre propre initiative ou bien vous avez donné l'ordre de les libérer? Ça, c'est la gendarmerie qui les a libérés. Qui les a remis à la gendarmerie? À leur arrivée, après l'interception, ils avaient été confiés à la gendarmerie. C'est suite à l'ordre du capitaine Maliki qu'ils ont été ramenés à la compagnie pour l'exécution. Les 4 des 13 ont été exécutés après. Les 13 ont été exécutés après. Peut-être on ne s'est pas compris. Donc les 17 ont été remis ensemble à la gendarmerie. Et après vous avez récupéré 13. Lorsqu'on était arrivé de retour au camp après la mission, l'accomplissement de la mission, ils ont été acheminés à la compagnie. Après vérification, ils ont été et remis aux mains de la gendarmerie. Donc c'est suite à l'ordre de mon commandant de compagnie, et comme on avait la liste de ces gens, donc on a exécuté que les intéressés. Le commando proprement dit. Est-ce que vous comprenez? Oui, j'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, apparemment, il n'y a plus d'autres questions. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci, mon lieutenant. Lieutenant Baba. Quel est le prochain? Le lieutenant Baba, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Président du Présidium. Bonsoir, Auguste Assemblée. Je suis le lieutenant Baba Alidou Madougou, né en 1964 à Boubon. J'étais donc deuxième officier adjoint à la 5e compagnie de Tawa quand les événements de Tintabaladen sont survenus. Alors, deux jours auparavant, c'est-à-dire deux jours avant le 7, le 4 au soir, j'étais en patrouille dans la région de Kao pour rechercher des individus, des assaillants, qui auraient tué un forestier, un secouriste et un forgeron. Alors, après deux jours de recherche, vaines, au cours desquels nous n'avions retrouvé ni les cadavres, ni les instigateurs, dont les assassins, le 7 au matin, j'ai été interpellé par mon commandant d'unité à la radio pour me dire d'abandonner la première mission et de rejoindre Tintabaraden dans les plus brefs délais, que Tintabaraden était attaqué. Je me suis rendu. Après donc mon arrivée, les assassins étaient déjà partis, ils avaient quitté la ville. Selon des renseignements que nous avons pris sur place, nous avons eu la direction. Donc j'ai rendu compte, on m'a dit donc de faire des recherches dans les alentours. J'ai fait ces recherches
Elles sont restées vaines, j'ai rendu compte. Au soir, l'un de mes éléments a été amené, donc après d'autres renseignements, à prendre une des pistes. Elle a pris cette piste. Malheureusement, des problèmes mécaniques donc, et des problèmes de défaillance de l'armement les ont arrêtés vers 19h au nord, à environ 30 km donc, de la ville, parce qu'ils ont quitté tard. Après ça, des échos sont survenus du côté de Tilabit. C'est un village qui se trouve à environ 70 km à l'est, au nord-est de Tchintabaladem. Que ces assaillants seront passés par là, qu'ils auraient dévalisé donc une boutique et qu'ils auraient forcé un propriétaire de véhicule à leur céder son véhicule. Ils n'ont pas pu. Ces mêmes éléments sont partis au poste militaire de reconnaissance de Tatara. Je veux dire, les éléments qu'on a essayé de forcer sont partis rendre compte au poste militaire de Tatara. Le poste militaire a rendu compte au commandant d'unité qui a dépêché cet élément directement sur les assaillants. À ce moment, moi j'étais à Tchinka. La suite, c'est cet élément qui l'a mené jusqu'à ce qu'il y ait jonction entre cet élément et moi. Nous sommes donc rencontrés après leur accrochage. Je crois que à ce niveau, il y a eu, je n'ai pas fait de bilan jusque-là. Je crois que les gens qui sont passés avant moi ont dû à faire les bilans. Moi, en ce qui me concerne, voilà jusqu'où je peux donc arrêter, vous dire ce que je connais de l'affaire de Tchintabaladem en tant que chef de mission. Tout ce que nous avons eu exactement à faire, nous l'avons exécuté sur ordre. Avec le poste, donc la radio, tous ceux qui arrivent, nous rendons compte, on nous dit, faites cela, nous exécutons. Voilà donc ce que j'ai à dire à la conférence. Une question, s'il vous plaît, mon lieutenant. Oui. Quand vous étiez parti à la recherche des assassins du garde forestier, vous êtes arrêté dans un campement qui se trouvait à Igadou. Igadou. Oui. Une vallée. Oui, la vallée d'Igadou, oui. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé dans cette vallée, dans ce campement? Non, Igadou même ne représente pas un campement, c'est une vallée. Et il n'y a pas de campement particulier, il y a quelques maisons qui sont éparpillées sur la zone, dans la vallée, mais on ne peut pas parler de... Ok, bon, les quelques maisons que vous avez trouvées, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé dans ce jour-là? Donc, vu la situation dont je venais de faire cas, les maisons sont éparpillées. En tant que chef de mission, en tant que chef d'élément, j'ai envoyé donc mes éléments à la recherche de l'information, donc du renseignement. Et souvent, je crois l'avoir dit, je crois, à l'enquêteur, à celui qui a eu affaire, à l'officier de gendarmerie qui a eu affaire l'enquête, j'ai eu à lui dire que des fois, il y a eu certaines personnes qui ont été maltraitées sans que je ne sache. Mais dès que j'ai su, je crois que certaines populations, je leur ai même demandé excuse pour certaines choses qui ont été faites sur leur personne, sur certains abus qui auraient pu être faits sur leur personne. Donc, en réalité, j'ai entendu pour cela, pour cet éclaircissement, j'ai entendu l'intervention du commandant du groupement de la gendarmerie, et sur ça, justement, je tenais à faire une précision, parce qu'il y a eu un élément qui avait été effectivement tapé pour lui demander, pour lui extorquer certains renseignements. Mais cet élément, j'ai eu personnellement à demander à d'abord sermonner mes soldats et à leur demander des excuses sur place. Ce que j'ai eu à dire à l'enquêteur, à l'officier de gendarmerie qui avait enquêté. Je n'ai rien du tout caché sur ce plan. Je ne sais pas si ça vous satisfait ou pas. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je suis toujours disposé à vous répondre. Bien, une autre question. Oui. Au niveau de Tchintabaladem, il y avait des éléments militaires qui ont intervenu.
Est-ce que c'est votre élément qui a eu à intervenir au niveau de d'une maison où quelques assaillants se sont retranchés? Je tiens à préciser une chose. Il y avait donc deux éléments qui ont pris Tchintabaraden. Un élément qui est venu donc du nord-est et un élément qui est venu du sud-ouest. Bon, ces éléments, à partir de la jonction, devaient être mis sous mon autorité. Mais il se trouvait qu'on n'était pas à la même distance de Tchintabaraden. Donc, le premier élément est arrivé avant moi. C'est cet élément donc qui a réduit la résistance. Mais cet élément, j'étais donc à l'écoute de la radio. Cet élément a reçu des ordres assortis même de délai qu'il fallait réduire la résistance dans les 5 minutes qui suivent. De qui émanait cet ordre-là? L'ordre venait du Komzon. Komzon? Oui, le Komzona. Que vous pouvez préciser, Komzon, c'est qui? C'est Maliki ou... C'est le commandant de zone, c'est le commandant Sofiani. Sofiani, oui. Voilà, merci. Bien. Merci, mon lieutenant. La suite, s'il vous plaît. Monsieur Ibrahim Kemil. L'orateur, s'il vous plaît, merci. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur, madame le conférencier. Donc, comme vous l'avez constaté, je ne suis interpellé dans cette affaire qu'au niveau de la compagnie militaire où j'ai eu à faire des auditions des personnes qui sont détenues et c'est sur ordre du secrétaire général de la préfecture. Donc préfet par intérim. Avant de continuer, je voudrais dire que... Votre identité, s'il vous plaît. Excusez-moi, je m'appelle Ibrahim Kemil, né vers 1965 à Agadez, officier de police, présentement en service à la direction de la surveillance du territoire. Et au moment des faits, j'étais le chef d'antenne DSE Tawa, DSE, Tawa, Direction de la Sûreté de l'État. Effectivement, comme beaucoup de gens le font ici, la Direction de la Sûreté de l'État a pris la place de l'ancien BCL, Bureau de Coordination et de Liaison, que moi personnellement je n'ai pas connu à mon arrivée à ce service en fin 1988. Donc, si je vous parle de chef d'antenne, direction de la sécurité de l'État, et non agent du BCL. J'ai eu à faire la mise au point à la commission la dernière fois. Donc, je rappelle que, de par ma fonction de chef d'antenne, j'ai deux chefs hiérarchiques. Le premier, c'est mon directeur, se trouvant à Niamey, et le deuxième, c'est le préfet du département auprès de qui je sers. En dehors de ces deux personnalités, je n'ai ordre à recevoir de qui que ce soit. Au niveau régional, tous les autres services, qu'ils soient techniques ou administratifs simplement, je n'ai que de relations, de collaboration avec eux. Je n'ai d'influence sur personne, je ne reçois des personnes. En part de deux personnes citées plus haut. De même, donc, me trouvant à Ottawa, au moment des faits, je ne reviens pas sur l'historique, sur la genèse de ce qui s'est passé, parce que le rapport de la commission présenté hier matin l'a suffisamment dit. J'ai dit que j'ai été interpellé dans l'affaire de Tchintabaraden uniquement au niveau de la compagnie militaire, où le secrétaire général de la préfecture, donc préfet par intérim,
Aïe a me donné l'ordre d'aller entendre des personnes qui seront détenues et gardées à la compagnie et par des militaires. Effectivement, quelque chose s'est passé automatiquement dans ma tête. Ceci ne relevait pas de mes attributions de chef d'antenne, parce que chez nous, à la sécurité de l'État, une fois qu'un fait est accompli, une fois qu'une affaire a éclaté, nous autres, on passe dessus et on laisse la place aux autres forces de sécurité, telles que la gendarmerie ou la police, si il s'agit de la ville. Nous avons une mission préventive et en aucun cas, nous ne pouvons avoir une mission répressive. Donc, quand le secrétaire général de la préfecture m'a donné l'ordre d'aller à la compagnie, interroger ces personnes, mon erreur commise, c'était en fait de ne pas lui rétorquer sur place, monsieur le secrétaire général, vraiment, ça ne fait pas partie de mes attributions. Et pire encore, ou à la compagnie militaire, où ce sont des hommes qui ont une hiérarchie très particulière, presque tous ils l'ont dit ici, et c'était donc des hommes sur lesquels policier que je suis, ou presque en civil que je suis, je n'ai aucune maîtrise sur ces hommes. Ceci a même été rappelé ce matin par le commandant d'unité, qui était d'une part partagé entre Tawa, Niamey, Tilia et ces deux détachements en brousse. Donc lui-même, il ne pouvait pas contrôler les agissements de ces hommes à l'intérieur de sa compagnie, à plus forte raison une tierce personne comme moi. Donc c'était là mon erreur grossière, effectivement ça je le reconnais ici, il n'y a pas de doute à se faire dessus, c'était une erreur de ma part, de ne pas directement dire au secrétaire général, monsieur le secrétaire général, je ne peux pas le faire parce que ça n'entre pas dans mes attributions, et je surcroît donc de le faire à la compagnie militaire. Mais, j'ai pensé automatiquement à autre chose, vu ce qui se passe, et entre à quel niveau ça se passe, ce sont... D'abord, depuis il est directement concerné, ce sont, excusez-moi monsieur le président, ce sont des gens de mon ethnie. Avant tout, je suis aussi de l'ethnie Touareg. Et je me trouve entre le marteau et l'encrime, en ce sens que ne pas répondre à un ordre de ce sens m'impliquerait automatiquement de l'autre côté. Et là, je vous dirais que la Cour de la sécurité de l'État ne me ferait pas de cadeaux, parce que je devrais la servir de façon loyale. Ensuite, je rappelle aussi, pour justifier effectivement que je n'ai pas la maîtrise sur ce qui se passe à la compagnie, ou bien ordonner quelque chose à la compagnie, déjà durant la mission de reconnaissance, j'en parlais tout de suite le lieutenant Baba, au moment où j'étais parti en brousse, au village de Edouk 2, le rapport de la commission hier de l'affaire de sortir, on m'a rappelé par message radio, le secrétaire général m'a rappelé par message radio pour me dire de revenir au village de Kaou, intercepter le convoi militaire pour pouvoir le conduire dans la vallée de Igadou où a eu lieu ou l'enlèvement ou l'assassinat des gardes forestiers plus de deux autres personnes. Je suis arrivé à Kaou, j'ai attendu le détachement militaire. Le détachement militaire est arrivé à sa tête, le lieutenant Baba qui vient de passer devant moi. Et dans ce détachement militaire se trouvaient aussi quelques éléments de gendarmerie, dont le commandant du groupement de gendarmerie ici présent. J'ai dit au lieutenant Baba, après nous être écartés des autres, voilà la situation. Nous sommes à minuit passé et que la piste n'est pas très bonne pour nous rendre à cette place. Et il semblerait des premières déclarations des gendarmes, parce que la gendarmerie de Tintabaden a eu affaire, commence à payer à faire des recherches avant nous. Il semblerait donc des informations reçues des gendarmes. Entre la vallée où a eu lieu l'enlèvement ou l'assassinat, donc entre cette vallée et le village de Droum, un véhicule ne peut jamais passer. On ne peut passer qu'à dos de chameau, d'âne ou à pied. Et que ceci, voilà ce que je propose au lieutenant Baba. Comme il y a les gendarmes, et moi je suis avec des gardes républicains, donc nous autres, gendarmes et gardes républicains, nous allons directement continuer sur la piste de Tintabaden et regagner le village de Droum. Et le matin, quitter le village de Droum à pied, escalader la montagne
pendant que lui, il va passer par le côté de la vallée, escalader aussi la montagne, et puis on fait la jonction au sommet de cette montagne. À ma grande surprise, le lieutenant Baba me dit, « Ah, Kemil, je n'ai pas d'ordre à recevoir de ta part, donc tes propositions, tu les gardes pour toi. » Je dis, « D'accord, mon lieutenant, mais c'est dommage. » Et sur ce, je te quitte, donc je rejoins les gardes républicains que j'ai laissés en brousse, et j'ai fait ce que le secrétaire général que je vais joindre après me dira. J'ai rejoint mes autres, de toute façon, ça, ce sont des choses très élémentaires, pour vous dire en fait que, déjà en connaissance du petit différent qu'il y a eu entre le lieutenant Baba et moi à Kao, en me retroquant ceci, donc je ne peux plus dire quoi que ce soit à un militaire, surtout se trouvant dans sa caserne et ayant à côté de lui ses supérieurs hiérarchiques immédiats. Ceci dit, je comprendrai facilement la réaction des uns et des autres qui ont été interrogés à la compagnie d'Ottawa, en face de qui je me trouvais, quand ils disaient que toutes les tortures qu'ils ont subies provenaient de moi. Je comprends facilement leur situation et n'importe qui se trouvant à leur place, moi-même se trouvant à leur place, je dirais la même chose. Pourquoi? Parce que me voyant, c'est moi qui les interrogeais, c'est moi qui m'occupais d'eux, ils diront que tout ce qui va leur arriver provenait de moi. Ça, c'est tout à fait logique, c'est réel. Et je demanderai tout de suite, sans hésiter de quoi que ce soit, à ces intéressés, que je le comprends bien et que vraiment, je leur demande pardon. Pour conclure et répondre aux questions de la commission, je dirais, comme certains orateurs l'ont dit ce matin, que nos responsables politiques, à tous les niveaux, fuient en fait leurs responsabilités. Pourtant, s'il s'agit des avantages dont jouent ces derniers, ils sont prêts à se déclarer chefs. Et par ailleurs, derrière les problèmes de l'attaque de Chintabarden ou de Tilia ou de tout ce qui s'est passé, je vous dirais que il y a un problème de personnes. Ce problème de personnes, il date de longtemps, peut-être même avant ma naissance, parce qu'il date depuis la colonisation, au moment où il n'y avait pas de subdivision du groupement à Chintabarden. Et malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que ce problème de personnes oppose particulièrement deux groupements. Le deuxième groupement et le troisième groupement. Ça, on n'en fait rien. C'est à la conférence nationale ici de chercher la solution à ces problèmes. Et ces problèmes existent et ces problèmes aujourd'hui font une réalité palpable sur le terrain. Maimanga, le commandant Maimanga avant-hier ou hier l'a rappelé ici, il faut que la conférence fasse en ce sens que les populations locales entre elles se réconcilient. Que les populations locales entre elles, se réconcilient et que se donnent la main dans la main pour, une fois de plus, mettre vraiment un trait sur le passé. Ce problème est présent et vraiment, je demande pour cela à la conférence nationale, en dehors ou en marge des événements politiques ou tragiques de Chintabarden, de chercher une solution à ce problème. Il est là, il existe. Je vous remercie. S'il y a des questions, je suis là. Bien, il y a une question. Est-ce que vous pouvez informer la plénière de la provenance et de la teneur de ce message? Effectivement, à la commission, au siège du MLSD, ancien MLSD Parti État, j'avais dit à la conférence, à cette commission donc, que les 7, à peu près entre 15h30 et 16h, j'ai été à la préfecture, précisément dans le bureau du secrétaire général, où il m'apprenait que il a reçu des instructions du ministère de l'Intérieur et que ces instructions sont relatives à l'arrestation d'un certain nombre de gens dont la liste a été communiquée ici hier, entre la journée d'hier et aujourd'hui. Et que
Ces personnes doivent être conduites immédiatement à la compagnie militaire et devraient être gardées à la compagnie militaire en attendant l'arrivée d'un avion qui quittera Niamey et à bord duquel se retrouverait un contingent de la compagnie para pour renfort à Tawa. Et j'ai voulu attendre directement dans le bureau du préfet et du secrétaire général pour voir est-ce que je peux jeter un coup d'œil, parce qu'avant tout, sachez que je suis agent de renseignement. Est-ce que je peux apercevoir, même si c'est un peu, ce message chiffré, ce message dont elle parle. Mais ce que j'ai vu poser ici devant lui, c'était un message effectivement chiffré. Et je ne sais pas maintenant, effectivement, comme si c'est ce message-là qui a été déchiffré et qui portait, ou bien qui parlait de cette arrestation et de cette appréhension et de ces arrestations et puis de la détention de ces gens-là à la compagnie de Tawa, ou bien ce message chiffré concerne autre chose. Ça, je ne peux pas vous le dire. Et j'ai quitté le bureau du secrétaire général sans savoir effectivement ce message chiffré parle de quoi. C'est à mon retour vers dans le coup de 17h que maintenant le secrétaire général a été clair devant moi et m'a fait comprendre que la liste des personnes en fait est la suivante. Il y avait un nombre de 9 personnes. Et sur les 9 personnes, il y a eu à me donner le nom des 6 parce que je n'ai pas vu le message, je n'avais pas le message dans les mains. Donc sur les 9 personnes, il a eu à me citer le nom de 6. Même pas le nom, certaines même, c'était seulement uniquement leur fonction. Et c'est ainsi qu'il m'a dit que sur le message figure le nom du chef de village d'Abalak, du chef de l'autogare d'Abalak, du sous-préfet de Dakoro, plus quelqu'un avec lui, et de quelqu'un qui se trouvait à Tilia, dans la région de Tilia, on ne sait pas exactement à ce moment-là parce qu'il n'a pas été, on n'avait pas l'information sur laquelle il a été appréhendé, de quelqu'un donc qui se trouvait dans la région de Tilia, en l'occurrence M. Danjan, et d'une autre personne qui doit se trouver aussi ou à la ville ou dans les environs de Tabarden, en l'occurrence un certain Ibn Rushdin. Ça fait 6 sur les 9. Les 3 autres, à l'heure actuelle, j'ignorais leur nom. SM. Quelques instants après, le ministre m'a informé de ce que l'armée est saisie de la question. Et le commandant Maliki m'a confirmé. Ainsi, une section de l'armée fut envoyée aux environs donc pour renforcer déjà la section qui est sur place, qui recherche donc les assaillants, ceux qui ont enlevé le forestier. Et j'ai demandé par la même occasion au sous-préfet de faire survoler les points sensibles, à savoir la sous-préfecture, la poste, la prison civile et la résidence du sous-préfet. J'en ai rendu compte au ministre de l'Intérieur dans la même soirée. Le même jour, donc le lundi 7, plutôt vers 6h30, 7h, j'ai été réveillé par un coup de téléphone, c'était le sous-préfet en ligne. Il m'a fait savoir que Tinta est attaqué. J'ai rendu compte directement au ministre de l'Intérieur et j'ai également informé la gendarmerie et les forces armées nationales résidentes à Tawa. À partir de cette date, Monsieur le Président, nous, autorités administratives, n'étions que très sincèrement et partiellement informés de la conduite des événements qui relevaient du ressort exclusif des autorités militaires. Monsieur le Président, avant de terminer, j'aimerais apporter quelques précisions par rapport aux déclarations du chef de poste d'Abalak et aux insinuations donc de M. Kémil. Pour le chef de poste d'Abalak, j'ai reçu la visite du directeur général de la sûreté, accompagné du directeur de la police judiciaire. Ils m'ont rendu une visite de courtoisie et ils m'ont dit qu'ils vont à Abalak. Je me suis renseigné, ils m'ont dit que c'était pour faire le rapprochement d'une information selon laquelle le sous-préfet de Dakoro serait vu pendant la période des événements de Tonfaminir, c'est-à-dire dans les environs du 20 avril. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai informé le chef de poste de l'arrivée de la mission.
La mission est partie, elle a écouté ce qu'elle voulait écouter, elle est retournée. Maintenant, en ce qui concerne le message chiffré dont M. Kemil en a parlé, ce n'est pas vrai. Le code du chiffre ne se trouve pas dans mon bureau. Depuis 2 ans, je l'ai hérité ainsi. Le code du chiffre, c'est au secrétariat, c'est un document secret. Le bureau du SG, chacun rentre à tout moment, qu'il dise la vérité. Cependant, il a dû perdre les pédales. J'ai effectivement dit à Kemil que sur instruction du ministre de l'Intérieur, il y a un certain nombre d'individus qu'on doit interpeller, les amener à la compagnie pour qu'un avion venant de Niamey devait les prendre. Et ce sont les mêmes individus, donc le chef de village d'Abalak et autres. Ça, effectivement, alors que les événements, la situation de la Dédraine passait en plénière, je me suis retourné pour fouiller dans mes archives. J'ai retrouvé effectivement une instruction téléphonique. Ce n'est pas un message chiffré. Et vraiment, le code du chiffre, c'est pas un document qui se trouve dans le bureau du secrétaire général de la préfecture, que ça soit clair. Deux, M. Kemil a dit qu'il a 2 chefs. Moi, j'en ai qu'un seul, le ministre de l'Intérieur. Qu'il dise la vérité, si c'est effectivement sur mes instructions qu'il est parti interroger des gens, où est le rapport qu'il m'a remis, où sont les cassettes dans lesquelles il a enregistré les auditions des uns et des autres. Il s'agit tout simplement de vérifier au niveau du BCL d'ici, de son directeur général. Les documents sont là-bas. Si réellement les instructions ont été données par le SG de la préfecture, j'exigerai en contrepartie un rapport écrit de la situation. Le commandant de la compagnie est là, le sous-préfet de Tawa est là, on a vécu ensemble. J'ai le 8 rendu compte au ministre de l'Intérieur. Effectivement, quand M. Kemil était venu le 7 au soir, je lui ai dit qu'est-ce qu'il a à foutre à la compagnie. Il m'a dit qu'il a 2 casquettes et qu'il utilise la casquette du directeur général. Et tout le monde sait que la DSE n'est jamais hiérarchiquement attachée à la préfecture. Il le sait d'autant plus que quelques instants après les événements de Tintabaraden, on a appris qu'il était ici comme inspecteur de la police. On n'est pas au courant qu'il a affecté. Donc vraiment, il faudrait qu'il reste pour dire la vérité. Si j'ai donné des instructions, j'ai assumé mes responsabilités. Concernant toujours de l'affaire de Tintabaraden, il m'a plutôt talonné à prendre un gardien de la Nigelec. J'ai refusé. Cependant, pour être sûr de moi-même, j'ai mis la police en civil, 2 inspecteurs de police ou officiers de police, donc qui relèvent de la préfecture. C'était au temps du commissaire d'Ankassou. J'ai informé le commandant de groupement de la gendarmerie, effectivement, que la telle maison sera surveillée tel jour. Malheureusement, le commandant du groupement n'a pas pris ses dispositions. Ces éléments ont tiré vers 21h sur les 2 officiers de police. Ils ont été grièvement blessé, heureusement ou malheureusement qu'il était maladroit, il n'a pas pu les blesser mortellement. J'en ai rendu compte au ministre de l'Intérieur et là aussi une commission rogatoire m'a entendu à Dosso. J'ai dit effectivement, j'ai donné des instructions pour surveiller. Donc il s'agit d'avoir la tête sur les épaules et de répondre très sincèrement à la commission, parce que nous sommes entendus en direct. Il ne s'agit pas de dire moi j'ai 2 chefs. Il ne s'agit pas de dire que ce rapport avec El Hadj Amy, c'est chez moi, ce n'est pas vrai. Demandez à El Hadj Amy combien de fois il a été chez moi. Donc vraiment, très sincèrement, ça, ce n'est pas vrai. Concernant le compte rendu au préfet, ce matin, il a été question. J'en ai effectivement rendu compte au préfet. Peut-être vu son âge, c'est un oubli de sa part. J'ai dit qu'à Tilia, il y a eu une exécution effective et qu'il y a 20 personnes qui ont été exécutées. Et dans le bilan global que moi j'ai reçu, je lui en ai fait le compte rendu. Donc ça, c'est qu'on ne revienne pas là-dessus. Si la commission a d'autres questions à poser, je vous remercie. Très bien. Il va être pratiquement l'heure de la pause. Nous
avons vous lire un communiqué avant de nous séparer pour la pause, s'il vous plaît. Merci. Service d'ordre et de discipline. Dans un souci d'ordre, de discipline et de sécurité, nous informons les participants à la conférence nationale qu'à partir d'aujourd'hui, l'accès à la salle du secrétariat et à celle du présidium est interdit à toutes les personnes étrangères à ces deux organes sans autorisation. Les agents de sécurité sont chargés de veiller au respect de cette disposition. Merci. Nous allons donner la parole au colonel Tenja. Je suis Tenja Mamadou, lieutenant-colonel à la retraite. J'étais ministre de l'Intérieur lors des événements de Tchintabaraden. Messieurs les membres du présidium de la conférence nationale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les conférenciers, je prends acte des 10 interpellations formulées à mon endroit dans le courant de la journée d'hier. Je remercie très sincèrement mes interpellateurs au nom de la démocratie naissante qui prévaut au Niger. Sauf omission involontaire de ma part et de façon chronologique, ces interpellations se dressent ainsi qu'il suit. Ibrahim Mohamed, 3 interpellations. Atoujani Echefek, 1 interpellation. Mohamed Amadou, 4 interpellations. Adam Rousseni, 1 interpellation. Monsieur Abdoul Latif, 1 interpellation. Soit au total 10 interpellations auxquelles s'ajoutent les remarques fort pertinentes d'ordre général émises par Monsieur Abdoulaye Mohamed. Donc, Monsieur Ibrahim Mohamed, chef de village d'Abalak, disait alors, il a été arrêté en 84 à la prison de Ilela pour un mois. Très bien.
Monsieur Ibrahim Mohamed, chef de village d'Abalak. Nous allons un peu revenir en arrière en 1981, lorsque j'ai été affecté comme préfet du département de Tawa. En 1981, mois de juillet, août, qu'est-ce qui s'est-il passé ici au Niger? Un matin du mois d'août, on s'est réveillé et on a appris que tous les cadres de l'Azawak sont partis. Nous avons demandé à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne va pas. Ce problème reste encore là parce que jusqu'à présent, je me pose la question de savoir qu'est-ce que s'était passé au mois d'août 81 pour que tous les cadres des différents ministères ont disparu du Niger et quelque temps après se sont retrouvés chez le voisin de l'Est, du Nord. Pardon. Alors, le temps. Nous avons souvent écouté à la radio le soir à 20h30 des appels à un soulèvement. Tous les soirs à 20h, 20h30. Cette jeunesse est partie dans la direction du Nord et a été incorporé là-bas pour le métier des armes. Ils ont opéré en Syrie, au Liban et au Tchad. Alors, que doit faire le gouvernement devant une situation de ce genre où toute une jeunesse s'en va pour, n'est-ce pas, subir un entraînement militaire? La disposition était celle de chercher à empêcher ces sorties en direction du Nord, ce qui un jour inévitablement allait nous amener à la situation d'aujourd'hui. Mohamed Abdoulaye était le chef de village d'Abalak. Il avait donc le groupement administré par son frère et la majorité de ses enfants qui partent en direction du Nord. Ce sont ces enfants-là. 1981, on était sous le régime d'exception. Alors, des renseignements concordants font apparaître que le vieux Mohamed Abdoulaye, ancien chef de cabinet du ministre des Affaires sahariennes et nomades, conseiller à la présidence sur les affaires de la nomade, s'intéressait à cette question de départ en direction du Nord. Ordre m'a été donné de voir comment
faire arrêter par Mohamed Abdoulaye ce genre d'intéressement à des missions d'envoi des jeunes en direction du Nord. Je l'ai interpellé à plusieurs reprises de faire attention. Les informations font apparaître qu'il fait partir des jeunes. À l'autogare, il avait son neveu, lequel est chargé de recevoir les correspondances et d'aider au départ en direction du Nord. Pour amener Mohamed Abdoulaye à cesser ce genre d'agissement pour un responsable comme lui, je dis qu'il faut que tu rejoignes Iléla auprès du vieux Oumani pour que le vieux puisse, n'est-ce pas, te ramener à la raison parce que je ne me fais pas comprendre. Il est resté un mois. Il m'a été rapporté que tout est rentré en ordre. On peut le ramener. C'est ce qui a été fait. 1984. La deuxième interpellation était en 1985. Alors, l'attaque de Tchintabaraden, ce qui devrait arriver, arriva. Tchintabaraden a été attaqué le 25 mai 1985 à 3h du matin. Là également, Mohamed Abdoulaye a été interpellé. Je lui ai évité la prison. Je lui ai dit encore, tu vas à Iléla, à Bagaroua, chez le chef de canton d'Iléla, pour vraiment comprendre la situation du moment. Tu es un chef, c'est le plus vieux chef du département de Tawa, vous pouvez vous comprendre. Et on verra la suite. Deux mois après, tout allait, je ramenais Mohamed Abdoulaye à la maison. Il n'y a pas de prison à Bagaroua, c'est un poste administratif. Bien. Donc voilà pour les deux interpellations du vieux Abdoulaye Mohamed. Je lui ai évité continuellement la prison. J'ai cherché pour son âge des solutions de son âge. C'est un père, c'est mon père. Quand je suis arrivé à Tawa, le premier jour de ma sortie pour l'arrondissement de Tchintabaraden, j'ai été chez lui en premier, moi-même. Premier contact avec lui pour lui dire que je suis envoyé ici dans le département de Tawa pour aider au développement, à la sécurité de ce pays. Je vous demande en tant que papa, vous qui connaissez cette zone mieux que moi, pour avoir longtemps exercé pendant le régime du RDA, aidez-moi pour que je ne me trompe pas dans l'exercice de mes fonctions. Le voilà, il peut témoigner. Maintenant, le deuxième point. C'est-à-dire ma quatrième interpellation, celle qui concerne les vaches égorgées, les chèvres, les chamelles
et tout ce qu'on veut. Je suis l'enfant d'un éleveur. En 1984, quand la sécheresse s'est abattue sur notre pays, je disais alors, il faut trouver des solutions rapides pour que nos troupeaux puissent retrouver en urgence des pâturages avant les mauvais moments. J'ai détaché pour la circonstance le départemental de l'élevage, quelques éleveurs de poste administratif d'Abalak pour venir en direction du département de Dosso. Ils sont venus à Douchi voir l'autorité administrative et coutumière, voir la population et continuer dans la région de Filengue, Gaya, Dosso, avec bien sûr l'acceptation de la population de ce département à venir en aide au département de Taoua. J'ai rapidement alors initié à partir d'Abalak, en rencontrant les transporteurs venant de Lomé, venant de Cotonou et de Niamey en direction d'Arlit et d'Agadez, pour leur dire ceci: aidez-nous à sauver nos troupeaux. Nous sommes dans une situation difficile, on est déjà au mois d'août, pas de pluie. Ils m'ont alors répondu: d'accord, puisque les camions reviennent à vide, on peut vous faire ce travail. Moyennant le prix du gasoil que les propriétaires des animaux vont nous payer pour les déposer dans le département de Dosso. Beaucoup de nos troupeaux ont été sauvés ainsi. Mais malheureusement, il y en a qui ont catégoriquement refusé de faire embarquer leurs animaux pour les sauver, alors qu'ils savaient eux-mêmes comme moi, ils avaient encore à payer à la reconstitution du cheptel des fortes sommes. Deuxième, troisième initiative. Le FED décide alors de faire une opération appelée l'opération Viande Boucanée. Le département de Taoua en a bénéficié 105 millions. Les 55 millions ont été dépensés dans l'arrondissement de Tchintabaraden et les 50 millions dans les autres arrondissements. Cette mission était confiée au départemental d'élevage du département de Taoua, entouré pour la circonstance de ses cadres d'élevage et des conseillers. Ces animaux sont achetés, ils sont égorgés, la viande boucanée dans tout le pays, de Terra à Guingimi. L'opération a été menée ainsi. Le camarade de l'élevage, à la personne du docteur Barré, a les dossiers au complet avec lui comme moi-même. L'année 84-85 a été très mauvaise pour le département de Taoua et pour le Niger en général. Les éleveurs en partie ont rejoint le département de Dosso. Les autres qui sont restés sont en train de perdre les animaux ou font l'effort de les amener au marché, les différents marchés.
pour rencontrer cette commission chargée de les acheter et faire de la viande boucanée au lieu de tout perdre. La sécheresse a été toujours dans les pays du Sahel une occasion de se manifester quant à la guérilla. C'est une réalité. Le 25 mai 1985, à 5 heures, j'ai été réveillé par la radio présidence Niamey pour me dire que Tchintabaraden est attaqué. Disposition prise, j'ai saisi le commandant de compagnie pour lui dire voilà la situation, il faut se mettre en alerte en attendant que je rende compte au chef de l'État, ministre de la Défense. 7h30, je saisissais le président de la République pour lui rendre compte de la situation. Il m'autorisait d'utiliser deux sections de la compagnie de Tawa, la 5e CSM, au secours de Tchintabaraden. J'étais officier. Je disais alors, cette mission d'armes, je dois la mener moi-même d'un bout à l'autre. Je disais alors au commandant de la compagnie de mettre l'officier en mesure de diriger les deux sections aux abords de Tchintabaraden, ce qui me permettait de saisir Abalak, de saisir Tassara, de saisir Tilia, de saisir Bagaroua pour savoir s'il n'y a pas une attaque pareille à Tchintabar. Ceci m'amenait aux environs de 10 heures, la vacation étant à 9 heures. Je demandais alors au ministre de la Défense, chef de l'État, le secrétaire général de ce ministère était en mission dans la zone pour enquêter sur un meurtre à Tassara d'un gendarme qui a été tué de 2 balles en pleine poitrine. Je lui demandais alors, comme ça se doit, dans une mission comme ça, l'officier doit être flanqué de 2 gendarmes ou 3 gendarmes pour noter les erreurs possibles d'une troupe sur un terrain de théâtre d'opération. Il était d'accord et je rencontrais le colonel Hawa pour lui dire: je viens de recevoir l'accord du chef de l'État. Voilà ce qui vient de se passer. Vous venez avec moi. Plus le commandant de groupement de la gendarmerie en la personne à la Casso, des lieutenants, capitaine. La vacation terminée, je devrais rejoindre les éléments à Tchintabaraden. Je les ai rejoints rapidement. Devant ces officiers gendarmes, je pris l'engagement d'être le chef des opérations à partir de la minute qui suit et jusqu'à la fin des opérations. Ils n'ont qu'à noter. Je me suis mis en route, il était midi. À Tchintabaraden, après avoir donné les instructions préparatoires pour, n'est-ce pas, la recherche d'un adversaire armé, nous nous sommes déplacés en direction du nord à la recherche des traces des assaillants repliés.
nous sommes tombés sur des traces de deux véhicules. Nous avons poursuivi ces traces. Il était 15 heures. Sous un bois, on retrouvait deux véhicules et les conducteurs cachés dans le bois en train de dormir. Nous avons appelé ces deux conducteurs pour leur demander « Mais où sont les autres ?» Ils nous disaient que dès les premières rafales, eux, ils se sont repliés, pris de peur. Je disais alors, compte rendu immédiatement au chef d'état-major des forces armées, ma position et la situation dans laquelle je me trouve. Mon intention, quant à rebrousser chemin pour venir rechercher les traces, parce que les camarades, quand ils sont repliés pour venir chercher les véhicules, ils ne les ont pas trouvés. Ils ont pris chemin à pied. Il était 19 heures. Je disais donc, on rentre à Tchintabaraden pour passer la nuit. Départ demain 7 heures, lever du soleil sur les traces des assaillants. Les ordres sont donnés la veille. Le matin, chacun savait ce qu'il faisait. Et 7 heures, tout le monde était sur le terrain, sur les traces des assaillants. 9 heures, accrochage. Un tué, deux blessés, six prisonniers. Je devrais alors organiser le repris urgent des blessés et des prisonniers plus le mort dans le village de Tchintabaraden pour l'enterrement du défunt et les premiers soins des deux blessés. Les trois étaient en fuite parce qu'il y avait un effectif de 12. L'opération a continué. Il était 14 heures quand on me disait qu'elle était terminée. Ils sont tous les trois prisonniers. Seize heures, rassemblement, faire le point des armes, des munitions. Départ 17 heures sur Tawa, où on est rentré à 21 heures. Les malades à l'hôpital CHD de Tawa, les prisonniers à la gendarmerie et les deux unités dans le camp militaire. C'est en ce moment que j'ai rejoint ma chambre pour rendre compte de ce qui s'est passé et demander l'évacuation en urgence de ces blessés sur Niamey et les prisonniers pour le besoin de l'instruction. L'avion est venu le lendemain. Les blessés, les prisonniers, sous l'ordre du lieutenant-colonel Awa Pierre, qui rentrait à Niamey, les a ramenés ici à la disposition de la gendarmerie. Ils ont été jugés, ils ont été condamnés à mort et que l'exécution devrait se faire à Tawa. Bagnou, alors préfet d'Agadez, capitaine Ilias, commandant la compagnie de 5e CSM, Alakasso, lieutenant commandant le groupement de gendarmerie de Tawa, sont vivants même si les autres étaient morts. Je disais alors à 21 heures, alors qu'ils sont revenus à Tawa, on les a ramenés à Tawa pour l'exécution de demain matin. Je rappelais la présidence pour dire que non, je ne peux pas avoir ça sur la conscience.
rien de grave. On peut les laisser, ils sont très jeunes. Ils étaient là assis quand je discutais avec lui au téléphone et je disais que non, si ça ne se fait pas comme ça, je rends ma démission en tant qu'officier. Il me disait qu'il allait me rappeler une heure après. Il m'a rappelé une heure après. Il m'a dit que l'opération est annulée, que ceux qui sont envoyés pour assister à l'exécution de ces gens demain matin, 7 heures en route, et remettre les prisonniers à la gendarmerie pour Niamey, retour à Niamey. Voilà comment cette opération est terminée, et voilà comment on a repris donc nos travaux de contre-saison, pour lesquels encore on a été suffisamment insultés. Concernant donc l'interpellation, nous reprenons les autres interpellations, celle de Tijani et Chefek, qui disait alors aux événements de Chintabaraden de 1990 qu'il a capté à la radio au niveau de Dakoro, que le ministre de l'Intérieur, en communication avec le sous-préfet de Chintabaraden, un vieux est blessé, que le ministre de l'Intérieur disait « achevez-le ». Il est là, le sous-préfet. Dans mon bureau, je n'ai pas de radio au ministère de l'Intérieur. La seule radio s'appelle Radio Présidence et l'accès est très difficile. Et Chintabaraden a l'automatique. Je n'avais pas besoin de faire des kilomètres pour aller chercher à communiquer avec mon sous-préfet à la Radio Présidence. Le sous-préfet est là. Il vous dira s'il y a eu échange d'informations entre lui et moi. Mohamed Amadou, ancien chef de cabinet du ministre de la Défense en 1981. Vraiment, je ne saurais que te remercier, c'est tout ce que je pourrais dire pour m'avoir dit tout ce que tu as pensé être moi. Je peux seulement te dire pendant que tu étais absent de 81 à 88, j'étais le seul sur le terrain là-bas en train d'opérer mes difficultés. Et que la population de Tawa et de Chintabaraden pourrait témoigner de ce que j'ai pu faire et de ce que je n'ai pas pu faire. Je ne suis qu'un homme. Des erreurs je peux commettre, c'est normal. Mais alors je dis vraiment que ce que j'ai écouté hier soir à ma personne, je disais que non, on n'est pas venu à la conférence nationale comme ça pour se faire insulter après 35 ans de service. Ça fait de la peine. Alors que pendant ce temps que j'opérais sur ce terrain, tu n'étais même pas là pour témoigner de ce que je fais en bon ou en mauvais.
Un autre, il s'appelle Monsieur Rousni, enseignant. Tanja Mamadou, créateur de la loi Kamumbanza. Je dis alors, il faut aller sur le département de Tawa, où j'ai servi pendant 6 ans et demi, et demander à la population de Tawa si telle était mon appellation. J'ai quitté Tawa en avril 88 pour Lagos en tant qu'ambassadeur. Mes camarades mouchards allaient à Lagos pour me voir. C'est ce qu'ils disaient. Les Tanjawa. Belle appellation que je retiendrai. Mais ce qui est sûr, s'interférer dans les rapports humains des hommes, ce n'est pas de notre devoir. Chacun est libre de choisir ses amis. Et que vous soyez au pôle Nord, s'il veut aller vous voir, il va aller vous voir. Il disait alors, vente d'animaux à Arlit. Je dis très bien, je reviens, je suis un éleveur. Je suis né là-dedans, grandi là-dedans, dans le département de Diffa, j'ai des animaux. Dans le département de Tawa, j'ai des animaux. L'élevage est une affaire de volonté. Il n'y a qu'à donner du pâturage et de l'eau, et la reproduction est facile. Voilà. Et que vendre mes animaux, si enfin je n'ai pas le droit de les vendre, il faut qu'on me le dise. Donc, il y a le dernier, M. Abdoul Latif, agent de coopération d'Abalak. J'étais à Abalak. Abdoul Latif avait été interpellé à Tawa. Il a été libéré. Et je lui disais alors, tu es dans le projet FIDA. Si tu continues à faire des erreurs, je dirai au préfet de te changer parce que le FIDA est à la disposition des populations. Monsieur n'a jamais été relevé. Le préfet est là et la population d'Abalak est là pour témoigner. Parlons maintenant du message par le message par lequel le ministre de l'Intérieur a autorisé l'interpellation de 6 hommes d'Abalak pour le besoin de l'information. Nous avons déjà vu le départ massif de 81, l'attaque de 85. Voilà un autre petit dossier qui peut venir aider. Et lorsqu'on est soupçonné, il est normal d'être interpellé, surtout quand votre nom apparaît dans les interrogatoires. J'étais à Lagos en 1988, une lettre adressée au président de la République
lettre par laquelle des Toyota 2 sont rentrés au Niger venant du nord avec des armes, des munitions, l'équipement. Ce matériel a été caché au nord de Tchintabaraden. L'informateur est venu jusqu'à Niamey, pris de cas de conscience, dénoncer la présence des armes et des munitions dans notre pays. Alors le chef de l'État disait au préfet de Taoua, Ilyas Almadi, d'aller avec ce monsieur pour retrouver cette cache et ramener les armes. Le monsieur l'a accompagné, ils ont retrouvé la cache, ils ont déterré les armes et voilà un peu la liste de ce matériel. Il s'agit de 17 fusils Kalachnikov, 2 fusils FAL, 1 pistolet automatique, 2 jumelles, 20 couteaux, 4 chargeurs FAL, 38 chargeurs Kalachnikov, 16 baguettes, 15 sacs marins, 3 musettes, 3 treillis, un chapeau, une tenue claire, un chandail, une housse de Kalachnikov, 5 barreka, 3708 cartouches de 7.62 court, 435 cartouches de 7.62 long, 26 cartouches de 9 mm, 11 grenades. Devant une situation de ce genre, et qu'on vient de... Du calme, s'il vous plaît, suivons l'orateur, merci. Les différentes situations parties de Iferouane, passant par Toufamini, Kao, Tchintabaraden, tout celui qui est indexé peut être interpellé pour nous dire pourquoi ça, contre qui ça. Nous voulons le savoir. Ces noms ont été régulièrement cités. J'avais reçu alors la correspondance ou la note par laquelle certains noms sont cités. Mission confiée par le préfet de Taoua dans l'arrondissement de Tchintabaraden et qui faisait encore apparaître ces noms. Je dis que j'étais absent depuis 2 ans du Niger et qu'il est très difficile de décider. J'ai téléphoné à mon compagnon de travail, le ministre de l'Information autochtone de Tchintabaraden, pour lui dire que j'ai un document à te faire parvenir. Tu vas le lire. Tu vas me dire, m'aider pour que je puisse prendre des décisions. Ce document est resté près d'une semaine, voire une semaine auprès du camarade, un collaborateur de travail. Je n'ai eu aucune réponse jusqu'à ce jour. Pourquoi ? Alors j'ai décidé, ne recevant pas volontairement dans le sens de la collaboration l'aide attendue du camarade et les informations qui continuent à venir jeudi au secrétaire général du département de Taoua d'interpeller les noms que voilà. Et qu'un avion viendra après-demain ou demain pour les ramener à Niamey
compte tenu de certaines situations difficiles, il faut qu'on nous informe, il faut qu'on ait l'information claire. Voilà pour le cas de l'interpellation. Maintenant, les hommes, il est sûr qu'il y a des hommes qui ne sont pas faits pour vivre avec les autres ou respecter les autres. Le comportement, peut-être, a été un peu difficile à partir de Tawa où ils n'ont jamais reçu aucune instruction, même de leur poser la plus petite question parce qu'un avion va aller les chercher et ils vont être interpellés au niveau de la gendarmerie de Niamey ou de la coordination. Mohamed Abdoulaye était sous-préfet de Dakolo. Je disais alors au secrétaire général du département de Maradi, il faut appeler le cadre Mohamed et essayer un peu de causer avec lui. Sûrement que la causerie n'a pas permis d'éclairer. Le secrétaire général se sentant un peu peut-être gêné, mais je l'ai rappelé. Avant de le rappeler, il y a eu un temps d'attente pour eux là-bas, parce que je voulais quand même, pour un cadre du rang de sous-préfet, que le chef de l'État soit au courant et entendre ce qu'il va dire. Il y a la population de Bilma, de Tillabéri, de Kano et d'Alger. Voilà ce qui constitue le village d'Abalak. Et dans l'impossibilité de continuer à travailler avec ce papa, je dis qu'on va te suspendre et je dis au sous-préfet de prendre les dispositions nécessaires pour que notre chef soit désigné. Ce n'est pas le groupement, c'est un village. Village créé de toutes pièces lors du passage de la route et avant le passage de la route, grossi pendant le passage de la route. Voilà un peu ce que c'est que le village d'Abalak. Bien, donc on vous remercie. Merci bien. Merci, colonel. Tout à l'heure, monsieur le ministre de l'Intérieur, M. Tanja, avait parlé des armes. Je demanderai à monsieur Kamed Attaher de venir nous parler de ces armes. Je vais compléter l'information de tout à l'heure parlant de ces armes entrées au Niger. Il y a, en dehors donc de l'entrée de ces armes, ce dénonciateur a été tué et une liste que j'ai ici citait encore d'autres noms qui vont être tués. Et c'est ainsi que, au mois de juin, le nommé Alassane Le Manchot, un percepteur dans la zone de Kaou, lui également a été tué en juin parce que son nom figure ici. Et il y a d'autres noms encore. Bonsoir. Effectivement, j'aimerais répondre ici à certaines questions qu'a soulevées l'ex-colonel Tanja Mamadou. Certainement en ce qui concerne les armes qu'il vient de citer. Et je vais aller un peu plus loin, bien sûr, je vais aller à l'année 81. C'était au mois d'août 81 qu'un certain nombre de cadres avaient décidé, après ce qui s'est passé durant tout le règne de
Kounché dans ce pays avait pris la décision de quitter ce pays, bien sûr, à la recherche d'une solution à ce pays. Ce n'était pas dans le sens auquel il voulait en parler. Ça, c'est un. Excusez-moi, j'arrive. Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Excusez, s'il vous plaît, parce que c'est très important d'apporter l'éclaircissement sur cette question. S'il vous plaît, excusez. Non. S'il vous plaît, un minimum de silence pour poursuivre ces débats. Du silence, s'il vous plaît. Oui, mais attendez. Allez-y. Excusez, s'il vous plaît. Cette question est très importante. De ce fait, écoutez bien pour avoir plus d'informations. Je disais tout à l'heure que sous les reins de Kounché, il nous est impossible, nous, dans notre région, de rester. Raison pour laquelle nous avons pris la décision de quitter le pays. Et je pense qu'un citoyen, ce n'est pas pour rien, il décide de quitter sa famille. Ce n'est pas possible, ce n'est pas par plaisir de quitter sa famille. Juste après notre départ, effectivement, on a envoyé M. Tanja à régner dans notre région. Et ceci a poussé un bon nombre de jeunes gens dont il vient de parler à quitter effectivement la région. Et je l'ai dit hier ici que, vu cette situation, et vu bien sûr le nombre d'émigrés, citoyens nigériens qui sont à Libye, bien sûr cette émigration a changé une fois en Libye. Avec l'arrivée de certains cadres, nous avons pris la décision de prononcer ou du moins de créer un mouvement d'opposition au régime Kounché. Dans ce cadre, je pense, un mouvement d'opposition, il cherche toute assistance sur tout ordre qu'il soit. Raison pour laquelle nous luttons ou du moins nous avons l'intention de lutter, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan militaire. De ce fait, le pays qui nous a hébergés nous a accordé une facilité de formation militaire. Et bien sûr, les citoyens qui sont là-bas, écoutez, il vient de dire pourquoi nous étions partis et avoir une formation militaire. Nous sommes partis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, cette formation militaire, ce n'était pas une obligation. Uniquement ceux qui se sentent intéressés par l'avenir de ces pays seulement qui en ont... Du silence, s'il vous plaît. Et je reviens bien sûr là-dessus. À la suite, bien sûr, des années, nous avons suivi les preuves lorsqu'il disait que Mohamed Amadou était absent et il ne peut pas témoigner de ce qu'il a fait après nous. Effectivement, nous suivons de près ce qui se passe dans ces pays, pas seulement dans notre région. Et voilà ce qu'a fait M. Tanja. Il a bien contrôlé du moins la région et personne n'a droit de respirer dans cette région. Cette situation a provoqué bien sûr la panique de la population et elle a incité à quitter une fois pour toutes ces pays. Raison pour laquelle... Monsieur Tar, attendez, oui. S'il vous plaît. La question, on vous a appelé pour parler des armes. Mieux vaut que la salle ait un peu l'information sur... S'il vous plaît. Bon, si vous voulez, le soir, vous allez la faire après. Mais pour le moment, la question qui nous intéresse, c'est les armes. Mais effectivement, j'arriverai aux armes. Non.
Écoutez, arrêtez-vous, mon non, cher. Non, je vais aux armes. Je vais directement aux armes. Je préfère. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure des nombres importants des Nigériens qui sont à Libye et qui ont eu cette formation militaire. Un certain nombre a pris la décision de faire des cotisations et acheter des armes. Et bien sûr, ces armes sont destinées, une fois l'occasion se présentera, à déstabiliser le régime Kounché. Et nous l'avons dit avec, à travers toutes les zones nationales et du moins toutes les zones internationales et par tous les moyens. Nous l'avons dit. Il l'a entendu lui-même tout à l'heure, il parlait d'une radio qui émet chaque soir. Effectivement, cette radio avait existé. Et c'était des Nigériens qui en parlaient. Il parlait de quoi? Il parlait de la situation dans leur pays. Et voilà la raison pour laquelle ces Nigériens ont pris une décision d'acheter des armes pour déstabiliser ces régimes fascistes. Donc, une fois encore, ces Nigériens... Rapprochez-vous du micro, mon cher monsieur. Une fois encore, ces Nigériens... Acheter ces armes, on peut les transporter. Moi, en personne, personnellement, je n'étais pas à Libye lorsque cette opération s'est produite. Effectivement, j'étais dans d'autres pays de la sous-région ici. Mais je sais quelque chose dans cette affaire. Et ces armes ont été transportées et acheminées jusqu'à l'intérieur du pays. Et je le dis maintenant et je le confirme qu'il est très facile de se procurer des armes. C'est l'utilisation de ces armes qui peut-être posera des problèmes. Les armes, c'est facile de les avoir. Donc, ce n'est pas un problème. Il sait tout de suite des armes. Ce n'est pas impossible d'avoir des armes. C'est facile même maintenant d'avoir des armes. Mais pourquoi utiliser ces armes? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi des armes? Et voilà, ces camarades ont amené des armes, les ont amenées à l'intérieur du pays. Ce qui prouve, bien sûr, qu'ils sont en mesure de les amener à tout moment. Mais pourquoi les amener? Et pourquoi quitter le pays? Et pourquoi s'entraîner ailleurs? Voilà la question qu'on doit se poser. Merci, monsieur. S'il vous plaît. Apparemment, les deux ou trois questions que vous venez de poser, vous y avez déjà répondu. Vous nous avez dit pour quelles raisons vous avez été amené à quitter votre région. Vous nous avez dit les objectifs que votre mouvement poursuivait. Vous avez précisé qu'il s'agit bel et bien d'une opposition militaire dans le cadre de laquelle, d'ailleurs, vous avez reçu un entraînement. Je pense que vous avez répondu aux questions. On peut donner la parole à quelqu'un d'autre. Excusez. Non, ça va, attendez, c'est tout. Non. C'est vrai. Monsieur le Président, j'ai une réponse très longue à Monsieur Tanja Mamadou. Mais je vais uniquement répondre à la question que vous venez de poser. Je voudrais répondre uniquement à la question posée, à savoir les armes dont on a parlé. Je crois que c'était en 19, ça date de 1988. C'était ça, je pense. Bon, pour ces armes, tout à l'heure, M. Tanja Mamadou disait que ces armes étaient acheminées et enterrées en Libye, au Niger. Et je crois que sur cette question, à l'époque, M. Tanja Mamadou n'était pas au Niger, il était à Lagos, et que l'état-major, en particulier le président de la République, le préfet de Tawa, ils sont au courant, ils connaissent bien d'où est-ce qu'on a retrouvé ces armes. Ces armes n'étaient pas au Niger. Ces armes ont été ramenées de l'Algérie au Niger. Et par le biais de la même personne, par l'intermédiaire de la même personne, et la même personne dont il parlait, qui avait informé le préfet de Tawa, et cette même personne qui a permis de ramener ces armes. Soyons courtois, s'il vous plaît. Et c'est vrai, ces armes... Suivons, s'il vous plaît. Ces armes dont on a fait le détail tout à l'heure, ont été ramenées par le biais, par l'intermédiaire des services de l'armée, avec le préfet de Tawa, et à l'aide
de ce même collaborateur, et quoique l'histoire est un peu longue, et que là, certains membres du gouvernement qui sont dans cette salle sont au courant, puisque à la même période, personnellement, j'étais au gouvernement. Et parmi les personnes informées qui ont suivi, disons, cette affaire, il y a monsieur le Premier ministre de l'époque, Oumarou Mamane, il est là. Il y a monsieur Alele Habibou, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, ils sont au courant. Et le chef d'état-major actuel, il est au courant. Et que dire que ces armes ont été amenées par les Nigériens, c'est vrai, ces armes appartiennent à ce même Nigérien qui ont eu l'entraînement, qui était dans l'opposition à l'extérieur, mais que personnellement j'étais à l'extérieur à ce temps-là. Ces armes, je savais qu'il y avait des armes, mais que je ne savais pas où c'était ces armes. Mais à quel moment, à quel niveau est-ce que ces armes se trouvaient en Libye, en Algérie ou non, je ne pouvais pas le confirmer. Personnellement, j'ai participé à la clarification de la situation de ces armes. Nous avons suivi cela du début jusqu'à la fin. Ces mêmes Toyota dont on parlait, ce ne sont pas ces Toyota qui ont ramené ces armes au Niger. Attendez un instant, s'il vous plaît. En haut, de quoi s'agit-il? Je dis que c'est très long. Là, je vous renvoie. Attendez un instant, s'il vous plaît. Je vous renvoie. Le micro. Merci, monsieur le Président. Il s'agit d'une motion de procédure. Oui. Jusqu'à présent, nous avons écouté des gens qui sont venus témoigner. Et après aucune audition, nous n'avons vu qu'on ait donné à quelqu'un l'occasion de répondre aux problèmes qui ont été soulevés. Or, je suppose qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés sur lesquels nous reviendrons les uns et les autres en débat. Oui. Nous suggérons à la Commission de continuer les auditions se faire. C'est seulement lorsqu'on aura écouté tout le monde que le débat peut s'engager. C'est ça la procédure. Je vous remercie. Oui. C'est vrai, c'est ça la procédure, mais il y a des moments où la délicatesse du sujet et les personnes interpellées successivement... S'il vous plaît, de quoi s'agit-il? Vous nous laissez guider ces débats, s'il vous plaît. S'il faut ramener la commission à la procédure initiale, on le fera, mais il faut bien se mettre en tête qu'on ne peut pas, de façon absolue et rigoureuse, donner la même structure à tous les débats. Faut pas rêver. Merci. Monsieur le ministre, on vous écoute. Si vous finissez, monsieur le président, vous prenez la parole et vous le faites entendre des personnes ressources s'il vous en reste encore. Merci. Bon. Merci, monsieur le président. Je dirais que pour cette question, il n'y a aucune ambiguïté sur ces armes. Et là, je voudrais demander à la commission de se référer à l'état-major. Ils auront toute la situation. Et que là, personnellement, je suis à la disposition s'ils veulent, puisqu'il y a une suite, de la retrouvaille, disons, de ces armes, la manière dont on les a fait rentrer au Niger, mais pas par les véhicules dont on parlait. Donc je crois que nous aurons l'occasion d'en parler, ces véhicules, et aussi ces armes, et puisque ça a eu une succession, puisque la même personne, qui est aussi de chez moi, la même personne dont on parlait, qui a permis de ramener ces armes d'un autre pays, là où ces armes étaient cachées, et remettre à l'armée nigérienne, la même personne a subi un autre sort dans la même période. Et cette même personne a créé une autre situation qui n'est pas étrangère aux événements que nous vivons, que nous avons vécu en 90. Bon, merci, monsieur le ministre. Plus tard, quand il sera nécessaire, vous reviendrez expliciter un certain nombre de choses. Je vous remercie. Monsieur le président, s'il vous plaît, avez-vous une autre personne à nous faire entendre? Vous n'en avez plus?
Non, si, non, mais parce que là, on est en train de se concerter pour savoir si on doit... Parce qu'il y a Toujani qui dit qu'il a des informations précises sur les armes. Non, écoutez, c'est justement à cette procédure qu'on a mis fin. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez. Bon, puisqu'il y est, qu'il parle, mais qu'il soit bref. Parlez, s'il vous plaît. Soyez bref. Voilà. Oui, parlez, parlez. Donc, au sujet des armes, le préfet Ilyes, de l'époque Ottawa, m'en avait parlé. Il m'a dit, Mohamedoun est venu le voir. Il a dit, il y a des mouvements de véhicules entre l'Algérie et le Niger. Il ne sait pas ce que les véhicules la transportent. Ilyes lui a donné le véhicule à minute, il est là. Il lui a donné 300 000 francs. Le type, il est parti en Algérie, il a trouvé des jeunes gens qui ont des armes, il les a amenés avec lui, ils les ont cachés. Après avoir caché les armes, il est venu prévenir Ilyes, il l'a mis avec les militaires pour aller ramasser les armes. Là-bas, il a mis les autres en confiance. Il a caché, après, il est parti. Du silence, s'il vous plaît. Le même Mohamedou, il est assassiné. Du silence, s'il vous plaît. C'est en ce moment que son camarade l'a assassiné qui quitte quelque chose. Voilà l'affaire des armes. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Continuons, s'il vous plaît. Monsieur Doudou Deda. Du silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous suivons l'orateur, si vous voulez bien. Merci, Monsieur le Président. Je suis Doudou Deda, né vers 1949 à Dargol. J'étais sous-préfet de l'arrondissement de Tintbaladen au moment des événements. Et je voudrais tout d'abord amener un petit éclaircissement en ce qui concerne la communication que M. Atoujani a dit que j'avais eu avec le ministre de l'Intérieur, Tanja Mamadou. Effectivement, j'ai eu une communication avec le ministre de l'Intérieur, Tanja Mamadou, et cela, c'était tout juste au début des événements. Il m'a demandé la situation et je lui ai communiqué la situation que nous avons vécue tout juste lorsque je l'avais eu en contact et je lui ai donné effectivement le nombre de personnes décédées et le nombre de blessés au niveau de l'administration. Et c'est ça que moi j'ai eu comme communication avec le ministre de l'Intérieur. Mais je n'ai jamais eu une instruction de sa part pour me dire d'achever qui que ce soit. Je tenais à amener cette précision. Maintenant, venons au fait, c'est-à-dire l'affaire de Tintbaladen. Les événements de Tintbaladen, comme on le dit. Avant de faire effectivement la chronologie des événements que j'ai eu à vivre, je voudrais d'abord vous donner la situation qui prévalait dans l'arrondissement au moment où j'étais arrivé le 4 novembre 1989. En effet, j'ai eu à hériter d'une tâche délicate, notamment l'accueil et l'installation de nos compatriotes rapatriés d'Algérie. Un projet intitulé « Programme de réinsertion des rapatriés d'Algérie » a été conçu à cet effet. Un comité d'organisation a été mis en place.
Au terme de ce projet, le chef-lieu d'arrondissement devrait servir de relais aux rapatriés avant leur acheminement sur les sites où ils devraient être suivis. Et le suivi qui était prévu effectivement dans ce projet, c'était de donner à ces rapatriés des vivres pendant au moins une année, et également de faire la reconstitution du cheptel et quelques infrastructures socio-économiques indispensables à leur intégration. Le financement du projet n'étant pas disponible à l'arrivée des convois, il fallait parer au plus pressé. C'est ainsi que le FET apporta son concours pour le transport des vivres PAM, installa une bonne fontaine, construisit quelques puisards et octroya du carburant pour les corvées de bois. Et tout cela au niveau de Tintbaraden. Cet organisme accepta également de transporter les rapatriés sur les sites retenus. Dans le même ordre d'idée, les sites tels que Tabalak, Telenses et Duk Akayas, où le problème d'eau ne se pose pas et les activités productives possibles, ont été proposés à nos compatriotes, mais refusés par ces derniers. Il est à noter, et ça je le dis bien, il est à noter, au de chahut dans la salle, je vous en prie, que les compatriotes refoulés de Libye ne sont pas concernés par le présent programme, bien que certains sont venus s'ajouter au contingent rapatrié d'Algérie. C'est ainsi que nous avons eu à recenser près de 7500 personnes au lieu de 6500 prévues dans le projet. Devant ces problèmes, le préfet du département, en l'occurrence le colonel Bagnou Beydou, est venu à Tintbaraden. Au cours de sa rencontre avec effectivement les rapatriés, il a été question de leur recensement dans leur tribu d'origine, ainsi que de leur acheminement sur des sites. À ce niveau, effectivement, certains ont accepté d'aller sur des sites à travers l'arrondissement. D'autres ont préféré rester à Kinta. Par contre, certains ont voulu qu'on les ramène à Inambagarit. Et ça, effectivement, le préfet n'a pas accepté cela parce qu'il disait d'avoir on sait qu'il y a un problème d'eau là-bas. Il risque donc de retourner à Ingezam. Puis, après le passage du préfet, il y a eu la mission du président de la République qui a séjourné également dans l'arrondissement pendant 4 jours pour se rendre compte des conditions dans lesquelles se trouvent ces rapatriés d'Algérie. C'est donc dans ce contexte qu'intervient l'affaire de Toumfa Minir et puis la disparition du garde forestier plus deux de ses compagnons.
Donc, pour revenir aux événements proprement dits de Tintamarradene, je voudrais dire que le 4 mai, me trouvant dans mon bureau, le député Hamzata et Adam Rousseni sont venus me trouver pour m'informer d'une attaque qui se préparait le 6 mai 90. Dès leur sortie, j'ai saisi mon téléphone pour aviser le secrétaire général de la préfecture. Aussitôt après, j'ai fait appeler mon commandant de peloton pour lui donner l'information afin qu'il puisse prendre toutes les dispositions relatives justement à toutes les dispositions nécessaires, notamment sur tous les points névralgiques, il faut qu'il y ait des hommes postés. Le 6 mai 90, pendant que j'étais à la résidence avec Ali Abdrahman, membre du CESON, plus Adam Rousseni, qui était SA, donc secrétaire administratif du MNSD, parti État, à l'époque, on était là en train de parler justement de cette affaire du garde forestier. C'est en ce moment-là que le nommé Alassane de l'alphabétisation de Kony, qui était venu dans l'arrondissement, nous a parlé justement de l'intervention des militaires dans la zone de Kao, qui sont en train de rechercher les gens qui ont eu les assaillants, comme on dit, ou bien trouver le corps du garde et de ses compagnons, puisqu'on n'est pas arrivé à les retrouver jusqu'à la date du 6. Donc, après cette information, nous avons effectivement décidé de quitter le soir même pour aller nous rendre sur les lieux du crime. Car auparavant, mon gendarme qui était le commandant de brigade qui avait été là-bas sur les lieux a pu nous indiquer l'endroit, notamment à Ngado. C'est un endroit où ils ont trouvé justement des traces de sang. Et on pensait que c'est là-bas que le garde forestier et ses collègues ont été tués. Donc on a décidé de partir. Mais avant notre départ, Radouane était venu avec des individus, il disait suspects, justement dans l'affaire du garde forestier. Il a passé à la maison avec des militaires, il m'a dit ça, j'ai dit donc, puisque c'est une enquête qui se fait au niveau de la gendarmerie, et c'est jusqu'à Tawa, ça, vous allez les amener à Tawa. Mais auparavant, il m'a dit qu'il y a une boutique qui appartenait à l'un de ces individus qu'il devrait d'abord vérifier. C'est ainsi qu'ils sont continués vers le marché et ensuite ils sont venus et ensuite ils sont retournés directement sur Tawa.
après ça, le soir comme convenu, nous avons quitté avec Ali Abdraman, Adam Rousseni, Sabit et d'autres personnes telles que le chauffeur, le chef de service d'arrondissement, pour nous rendre à Ngadou sur les lieux où on a trouvé des traces de sang. Le compartiment association, s'il vous plaît. Malheureusement. Vous êtes trop silencieux, merci. Lorsque nous étions arrivés, il faisait tard. Il faisait tard parce que il était vers 19h. On n'a pratiquement pas vu ce que nous cherchons. Mais lorsque nous avons quitté, nous avons eu aussi l'intention, nous avons pris la décision de prendre contact avec les personnes que nous aurons trouvées dans les campements pour leur demander de nous aider pour faciliter justement la recherche des corps qu'on n'arrive pas à trouver, ou bien le garde forestier même. Donc, lorsque nous avons fait nos investigations, on n'a pas pu trouver grand-chose. Et comme je disais tantôt, il faisait tard. Ali Abdraman m'avait même proposé qu'on dorme là-bas. J'ai dit non. Pour des questions de sécurité, nous n'avons pas pris de disposition à cet effet. Il vaut mieux qu'on rentre. C'est ainsi qu'on est rentré dans la nuit à Tintbaraden, donc la nuit du 6. Mais arrivé à Tintbaraden, nous avons décidé de poursuivre notre mission le lendemain matin, c'est-à-dire le 7. Malheureusement, le 7 au matin, c'est-à-dire vers 5 heures, j'ai été réveillé par un parent, car je dormais au dehors. Et lorsque je me suis réveillé, il m'a dit qu'il y a des coups de feu du côté de la gendarmerie et de la sous-préfecture. Je me suis précipité pour rentrer dans ma chambre. J'ai regardé ma montre, il était 5h10 à peu près. Alors, je me suis dirigé vers le téléphone. Je voulais effectivement tenter de toucher Tawa pour informer le secrétaire général de la situation. Malheureusement, le téléphone était coupé. Alors, je me suis dit que le seul recours qui me restait, c'est la radio. C'est la radio parce que, compte tenu justement de la situation, nous avions prévu que le radio, l'opérateur radio, reste à son poste, parce qu'on ne sait jamais. Donc, moi, je suis resté dans ma chambre. Il y a les coups de feu partout, ça tirait dans la ville. Donc, les gardes qui étaient là, ripostaient également. Jusqu'à 7 heures du matin, je me suis dit donc, peut-être que la radio a pu quand même aviser Tawa. Je suis sorti pour vérifier sous les coups de feu, bien sûr, parce que ça n'avait pas cessé. Et j'ai été à la salle de la radio. C'est en ce moment que j'ai trouvé un des gardes qui était à la poste, qui était à la sous-préfecture, qui a pu escalader le mur de la résidence pour rentrer dans la salle de la radio. C'était l'opérateur suppléant. C'est en ce moment qu'il a ouvert le poste radio et
il a demandé son collègue de Tawa en lui disant que nous sommes attaqués. C'est en ce moment que j'ai pris le combiné et j'ai demandé à l'opérateur de Tawa de me chercher le secrétaire général, de me passer le secrétaire général de la préfecture. C'est ainsi que j'ai pu être mis en contact avec le secrétaire général de la préfecture, à qui j'ai donné l'information de l'attaque et qui, quelques instants après, m'a dit, est venu me toucher toujours par le biais de la radio, que il va y avoir bientôt un renfort. Donc moi je suis resté dans la salle de la radio pour faire l'opérateur radio parce que le vrai opérateur radio n'était pas là et le suppléant, lui, il est resté à la porte pour effectivement essayer de répliquer parce que il y a toujours les attaques qui se poursuivaient. Donc les tirs continuaient toujours en ce moment. Donc, après cela, j'ai eu personnellement le capitaine Maliki qui a passé sûrement par le canal de la radio présidence et il m'a dit qu'effectivement il y aura des éléments qui étaient basés à Edouf qui vont faire mouvement vers Kinta. En ce moment-là, je lui ai demandé effectivement combien de temps ça pourrait mettre. Bon, je ne savais pas, de toutes les manières, il m'a dit qu'ils viendront. On a attendu, et les éléments n'étaient arrivés effectivement que vers 8h, vers 8h, 8h10. Mais auparavant, avant qu'ils ne viennent, j'avais eu à contacter encore le capitaine Maliki pour lui demander de me voir la situation au niveau de la prison civile. Parce que la prison civile est loin, justement, de la résidence ainsi que de la sous-préfecture. Donc, il n'y avait que deux éléments qui étaient postés là-bas. Les autres sont postés à la sous-préfecture. D'autres ont été postés à la résidence. Donc, nous n'avons pas leur situation. Par contre, j'avais pu avoir la situation